Lyon est à 20 de lassitude de guerre, ça pop pas, je trouve, hein. Mais si, ça pop, mais ça pop en Afrique, vous voyez pas, c'est tout. Putain, j'ai massacré des rebelles de chevaux. Oh là là, j'ai fait massacrer. Tu veux pas aller à Bagdad avec un de tes... T'es courageux corps. Ouais. Et là tu vas me jeter dans un piège, Ghost. C'est ça. Là, je suis un agent double. Mais ouais, mais fini saison. Ah ouais, on en finit là. Mais c'est fini. Là je suis en train de perdre l'Arabie, je vais tout perdre. Avancez pas, il y a des nationalistes. Si, Boukti, on est Boukti. Il y en a partout. Oh, il y en a partout. J'ai une capacité de siège négative. Ah, des nationalistes qui ont tué tes Mongols, Pépé. Ah, des patriotes ouzbeks. Oh, mais putain, là. Mais quelle bande de sauts! Ouais, en même temps, c'est des singes, hein, c'est des supplétifs mongols. Hein. Ouais, je suis à deux doigts de la banqueroute aussi en plus. Là. Bon, par contre, fais bien le siège de Basra, hein, je récupérerai bien les bateaux mongols. Non. Ah, ils sont pour moi, Highwind. Hein. Non. T'as récupéré assez, toi, sur cette guerre déjà. Je vous annonce que je suis entré en banqueroute pour la première fois. Attends, mais Owin, il y va comme un porc, il attaque! J'ai gagné. Owin, le gros porc! Pas mal! En fait, c'était un misclick. Ouais, je me serais bien battu. Voilà, oh bon, putain, voilà tout mon armée qui s'est fait à niveau d'un coup alors qu'il était fou. Oh bah, je pense que hein, c'est quasiment la fin là, de la guerre, non? Oui, on peut même finir les armées de chou. Je savais que sur les 300 000 hommes, non, les 360 000 hommes que j'ai de notre part, il me reste 80 000. Oh non, mais t'as quand même fait des sacrées batailles, hein. Je vais te faire relâcher un ou deux petits trucs de merde à la frontière. Tu peux lui faire libérer Kaffa, tu vois. T'avais parlé de paix blanche, toi. Ouais, bah, j'ai changé d'avis et je t'emmerde. Papa. C'est un quadrillage qu'on a fait. Oh merde, bah alors... Personne ne possède assez de régions pour faire libérer le pays, quoi. Chouan, t'as de l'argent? J'ai plus rien. Oh, tu mens! Bah oui. Il est endetté. Oh putain! Il a 600, 700, 800 de thunes! Il a non. 800 de thunes! Moi, je lui en prends 200. Hein. Non, j'en ai 237 et j'en perds 66 par mois. Bah justement, donc on est en pause, on va pouvoir lui prendre ce qui reste. T'es sûr de pas vouloir être mon vassal? Tu sais que si c'est ton vassal, espèce d'abruti, il va faire une guerre d'indépendance, il va venir t'éclater ta gueule, tu vois. Bon bah sinon, hein, une star, tu peux faire une paix blanche, hein, pour toute l'alliance, et puis si vous avez du pognon, faites spammer les rebelles, hein. D'accord. À la limite, vole-lui des ducats, mais voilà. Ah, par contre, tu fais briser les relations avec l'Ottoman. C'est obligatoire, ça. Non. Ah si, attends. Au nom de quoi qu'on a 93% de score de guerre. À 100, tu lui imposes la paix, il a pas le choix. Fais ce que tu veux, c'est toi le chef de l'Alliance, vas-y, hein. Achève-nous cette guerre. Voilà moi ce que je veux. Tu vas le regretter, ça, tu auras une énorme surexpansion. Ça, c'est mon problème. Alors, oh, la belle frontière. Bon, bah, écoute, je suis en bonne chance. Bon. Du coup, Malaya, tu vois, t'auras rien eu, t'aurais mieux fait d'accepter. Mais tu sais, Malaya, il peut revenir en guerre contre toi dans 2 ans, hein. Tu seras pas prêt à la guerre, et là, il va te prendre ce qu'il veut, hein. Si c'est lui tout seul, je l'éclate. Je n'oublierai jamais ça, Owin. Ghost, j'oublierai jamais ce que t'as fait. Putain, l'unrest de bâtard qui a chez le russe. Les gars, si vous avez quelques points à perdre pour troller Youn, ça va pas. Ouais, sauf que j'ai pas encore augmenté l'autonomie. Si vous pouviez tuer quelques rebelles en partant. Non. Ah non, alors là, je vais faire attention, je fous les pieds. Hein. Ah, contre un petit peu d'argent, ça peut se négocier. Ça y est, il y a du rebelle en Inde aussi. Ah, je vois 24 000 qui viennent de popper là. En plus, c'est des beaux stacks d'armées, les mecs ils sont équipés de canons et tout. Attends, est-ce qu'il y a le bon conseiller? Non, évidemment, il est pas là. Celui qui donne moins 3 donne reste. Ah putain, problème. Alors ça, quand tu l'as. Le Moutapa va déclarer la guerre. Oh putain, mais tous les rebelles qui en Inde, ça pète! Ils sortent là! Mais ils sont bons! Oh non, mais si je suis en guerre, mon adresse va pas baisser! Vous savez que si Chouan se redresse sans problème. Ils sont... Ouais, t'as vu tous les rebelles! Je me redresserai jamais! Je sais pas pourquoi je suis encore là, quoi! Il va imploser là, salement! Moi, tant que je vois rien popper, je continue de financer, hein! En fait, j'ai juste l'impression que mes deux petits vassaux de mes couilles là, ils ont bossé plus que moi durant la guerre! Oh, patriote ouzbek, putain! C'est l'ouzbek qui va aussi gagner sur cette guerre parce qu'il va bouffer tout mon or là! C'est quoi le vieux bruit que j'entends derrière là? J'entends chez moi, malheureusement. C'est mon père qui passe l'aspirateur et vu qu'il adore le faire. le mec de la DDE pendant ses jours de congé, bah, il passe l'aspirateur. Voilà, et ça. Voilà, tu as tout deviné, mon cher Pépé. Ça lui rappelle le boulot, tu sais. Ah, ce pur cliché, mais tellement vrai quoi. Bon, le Siam, il va se calmer, c'est un navire de commerce là. 51 au Bengale quoi. J'ai rien du tout au Bengale, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est 51 navires, je les vois passer. Et je possède toutes les côtes, hein, j'ai la vision quand même. Hein. Il y a des mecs dans les phares. Hein. Tu possèdes vraiment toutes les côtes? Vraiment tout. Quand tu dis comme ça, je viens les chercher, tu vois. Allez, conflit interne, c'est parti. Ah, le Mongol. Ah, enfin. Ça commence enfin à se nourrir en Inde. Qu'on n'ait pas fait cette guerre pour rien quoi. Putain, pas d'attrition dans l'Himalaya, bravo Pépé. Non, j'ai construit une autoroute, mec. Je vois ça, le mec, il met 23 000 hommes dans les montagnes, pas de problème. Ah bah l'Autriche qui défonce l'Ottoman. Ouf, c'est ça là. Oh la c'est vache ça, là. Ouh là là. Oh la pilule qu'il lui met. Et honnêtement, je suis le seul à penser que l'Ottoman allait backstabber Chouan.
Mais en solo, il l'avait fait. Non mais les gars, là, vous m'avez tué pour de bon. Hein. Je pense que oui, hein. J'ai plus d'argent, j'ai même plus assez d'argent pour financer mes armées. Owen, il va aller claimer les provinces africaines de Chouan. Oh, ah bah oui. Qui me déclare la guerre. C'est normal qu'il y ait des troupes russes qui traînent chez le Mogol. Oui, c'est possible. Il protège Chouan pour une somme d'argent, je trouve que c'est un... J'ai pas d'argent et l'Ouzbek vient de me déclarer la guerre. Je suis là pour faire mes adieux, j'ai même pas envie de jouer là parce que c'est fini. Désolé Chouan, t'étais beaucoup trop gros. Trop balèze, trop vite. J'aurais pu tuer n'importe qui quand je voulais, je l'ai pas fait par sympathie et vous êtes pas jeune. Ah, on t'a défoncé. Oh putain, on a vraiment ah été. Ah ouais, bravo. Aucune pitié. Ah, aucune pitié, hein. T'étais le calife Haroun El Poussa sur son grand coussin, débonnaire et gentil. Bon, mais les gars, j'arrête de sauver. C'est fini. Ça marche. Ça t'intéresse même pas. Bah là, tu vas. Toutes mes provinces sont en train de partir toutes seules au profit d'autres pays. Moi, j'ai quand même choix, je veux dire, t'as quand même dominé le début de game, hein. Et y'a pas à chier, hein. La guerre, elle a fait quoi, 1630, une connerie comme ça? Elle a ça fait 15-20 ans. Elle a fait 15 ans, à peu près. Bah là, 1630, avec un mogol comme ça, tu vas jusqu'à Paris, hein. C'est... Non mais c'est clair, c'est pour ça qu'on t'a bourriné. Non mais j'ai quand même choix, à part la fin où on se débarrasse de toi, parce que on n'est pas... Le prochain, c'est Zeb, de toute façon, donc y a pas de problème pour ça. Zeb a déjà abandonné, hein. Zeb, il a abandonné son pays, c'était fini, tu vois. Là, il est passé catholique. Bon, y'a qui fait chier aux horaires, là? Owind? Genre, c'est toi, ce qui fait chier aux horaires aussi, hein. Ouais, si on part sur ce principe, Pépé va rester que bien. Toi, moi et une star, hein. c'est un bon compromis, hein, en late game, hein. J'ai donné 5 provinces et je me suis fait backstab. Ah, salement. Ouais, j'avoue. Ghost, il faut jamais. J'avoue, je suis un futur en politique, là. Ghost, c'est une enflure. Je fais des promesses et. Dis-toi que 5 provinces, c'est rien par rapport à ce qu'il va gagner après. Donc, bon. Tu l'as fait, mais en plus, il va récupérer toute l'Inde. Je suis déçu que tu m'aies pas donné du cas. Bon, Chouan, à plus. Bon, bah, vous n'aurez pas l'occasion de voir le Mogol sur la moitié du monde islamique. On aura déjà l'occasion de voir s'effondrer, c'est déjà pas mal. C'est déjà chouette, hein. Il aurait été du Bengale à Ifni en passant par Constantinople. Je ne saurais jamais probablement ce qui se passe quand on tourne une du fil islam. Là t'es arrivé à Cordoue dans 50 ans. Donc, même pas. Dans Cordoue, non, laisse tomber mec. La Castille, c'est un sale bébé. Hein. Moi je veux dire, oh putain, celui qui va gagner par contre c'est le Moutapa. Hein. Il va reprendre toutes mes provinces. Ah ouais, le Moutapa il va passer par derrière là. Ouais. Mais en fait. Ah il a déjà pissé, déjà popé. Attends, mais il a des corps ici, le Moutapa? C'est des patriotes Swahili, et donc ils sont de la même culture et ils vont... Ah, il passe, Moutapa, putain. What? Il a 16 en technologie militaire. Il est meilleur scorpion. Oh putain, j'avoue, on va pas le faire chier, hein. Par contre, ça va des provinces sunnites, il va s'amuser, en fait. Allez, un pays qui se libère. J'entends... Ouh, le Poucara. Oh, il est pas énorme, hein. Il est pas énorme. Garwal, ça ressemble à Marwal, tu sais. Ah, le Garwal s'est libéré. Oui, le pays vient d'être créé, mais il y a de l'unrest partout parce que c'est des shit. Oh, mais... En fait, j'aurais dû juste attaquer les armées du Siam pour rigoler, vu que j'aurais dû faire un grand tour. Ouais, enfin, les armées du Siam, elles étaient derrière les autres armées. Alors, c'est très loin derrière. Ce soir, ça avait pertinemment le niveau de ses troupes, tu sais. Ah, Moulou okay. D'Islande, franchement. Oh, oui. Je vois même pas encore l'Australie, moi, putain. Mon Afrique, oh, qui tombe surtout en morceaux. Oh, l'Afrique qui s'appop. Oh là là. Y'a Adal, ouais, qui est en train de... Province par province, c'est... Ouais, Adal et Moutapa, c'est les grands vainqueurs de cette histoire. Mais oui, en plus, il y a l'armée du Moutapa qui rentre. Contre qui vous faites la guerre, les deux singes, là? Oui. Non, y'a Liu qui m'a attaqué, bon, il s'est senti un peu fort, hein, fait rien. Siam en guerre contre Yuda. Enfin, il mine de rien. Y'a le qui est là, hein. Je vois 60 000 hommes chez vous, les gars. C'est ça, hein. Si Malaya décide de se barrer... Attends, Dali veut... Non, c'est pas Dali qui a attaqué. Si Pépé vient, je me casse. Hein, Mais c'est vraiment de la merde, tes provinces. Y'a des malus partout. C'est de la jungle. Là. Putain, ça pop de partout. Là, y'a 3 pays qui viennent de popper. J'ai perdu toute l'Arabie. J'ai perdu les montagnes du Khorasan. Ça va être monstrueux. Le Jaisalmer en plein milieu. Ouais, y'a le Botan, là, y'a l'Arménie. Oh, mon nouveau prince, c'est un 6-6-4. Moi, c'est un 1-2-5. Tsubasa Hattori, mais t'as un nom, on dirait de sortir autour d'un manga shonen ou... Ah bah, ça explique pourquoi le British m'a demandé une alliance. C'est qu'il veut péter la gueule à la colonie Sud-Amérique. T'as accepté, j'espère. Il y a des nationalistes crétois à Trésibonde. Ah, ils sont partout en plus, les crétois, là. Putain, mais le Moutapa, en fait... C'est un beau bébé, le Moutapa. Mais oui, il est en train de prendre tout ce que j'ai conquis en diplôme annexe. Adal aussi, hein. Et tu veux prendre Scorpion avec toi dans la guerre ou pas? Ça fera du singe pour le champ de bataille, c'est toi. Ça, ouais. Tu les passer en première ligne, nos fusils seront derrière. T'envoies les hommes de Scorpion en première ligne, hein. Tu peux espérer les faire mourir de rire, les ennemis, t'sais. L'armée de Scorpion à 48 000 contre 9 000, ils perdent, hein. Ah, c'est choquant, hein, je vous le dis. Mais t'as 3 de morale.
Mais comment t'as fait? Eh, bizarrement, j'avais quoi, 3-5 de morale quand 4 n'avait rien, et là, bizarrement, j'ai 3 alors que j'ai un empire immense. C'est quoi ce bordel? Je veux savoir. Alors qu'au début, t'étais là en train de te faire mousser au début. Ouais, mais il y a les réformes super pétées, je prends je sais pas combien de militaires. J'ai toujours les réformes pétées, ça je vais pas arrêter de me vanter là-dessus. Au final, vu que t'es un singe, bon. En se parlant de ça, la Suède se fait violer par une coalition européenne, une espèce mondiale. C'est bon. Ah bon, elle a une coalition? Danemark, Brandebourg, Norvège, Holstein, France et Floride. L'IA mogol a perdu ses derniers soldats. C'est fini. Donc c'était juste fini. Ma marche mongole, elle va plus grossir, hein. Je vais la bouffer, mais regardez-moi cette... On dirait quand même une grosse crotte de nez que t'as été allé sur la Chine. Hein. Moi, un gros glavio, regarde. Hein. Oh, en attendant, la moindre province a un minimum de 3 de richesse, voire la plus grosse 14, quoi. D'ailleurs, l'Ouzbek s'est aussi fait plaisir, hein, chez le mogol. Ouais, bah, l'Ouzbek, il va vite déchanter. Lui qui était un fidèle allié du Mogol. Le mot tapa, il a du pognon. Hein. Il y a que de l'ivoire et de l'or. Ah, mais c'est ça, la côte est africaine, c'est la plus riche. C'est une des côtes les plus pourquoi riches. Pourquoi tu crois que j'ai foncé dessus? En fait, c'est la raison aussi pour ça que j'ai pris colonisation, c'était pour aller en Afrique rapidement. Tu vois, on déclare la guerre au Mogol. Mais même le Congo m'a déclaré. Je suis en train de faire mes claims tranquillement. L'Ottoman en guerre contre 3 pays en même temps. D'ailleurs, l'Autrichien s'est bien fait plaisir hein, sur lui. Ah ouais, bizarrement, maintenant, l'Ottoman y mène. Oh. Bah oui, bizarrement. Il est en guerre contre Papal State, Croatie, Zoknite, Hongrie, Mamelouk et Makouria. Ah, le Kazakh vient de popper en plein milieu de l'Ouzbek. Oui, j'ai vu. Oh putain, exact. Le Congo est à Palou. Normal. Le Congo est à Palou. Le Congo à Palou. Ah là, d'accord. Ah oui, il est en train de faire la guerre. Le Congo, putain, mais comment il est arrivé là? Avec quel bateau? Attends, mais j'ai 5 niveaux d'avance sur toi, Scorpion, en militaire. Et en plus, je viens de finir les idées de qualité, quoi. Oui, c'est cool, et alors? Mais t'es nul! Mais normal, j'ai pas droit. Est-ce que tu comprends ça? Vous auriez dû proposer à Younstar de venir avec vous. Il aurait pu récupérer les 3 provinces mongoles. Non. Bon, Younstar, il a plus envie de descendre, je crois. Hein. Yon, il doit s'occuper déjà de sa propre surextension. Il a suffisamment. Non, mais là les provinces que t'as. Tout est réglé, hein. Tout est réglé. Les provinces que t'as prises ne sont pas de ta culture, elles sont pas de ta religion. Il faut que je sente. C'est ce que Hitler disait dans son bunker en 45, hein. Tout est réglé. Voichsteiner. Ça y est, toi tu recontinues avec tes Hitler. Bah maintenant que t'es plus là pour que je fasse des points Godwin, je me rabats sur Start, toi. T'assistes en anglais. Tu m'as pas. Appelle-moi Ghost. Ah, pardon. T'as vu, il veut sa part du gâteau sans toi. Non mais Il t'a trahi. C'est la guerre. Tu sais, Owen, Ghost est à mes frontières. On devrait peut-être pas trop. Owen, est-ce que tu te sens la lame généreuse? Parce que moi je veux garder les Maldives. Je viens tenter. Owen va encore se faire coiffer au poteau par Ghost. Mais non, je veux juste les Maldives, c'est tout ce qui m'intéresse parce que c'est dans ouais, mon c'est ça, tu dis toujours ça, puis après, ah bah tiens, maintenant je voudrais ça. Bon, pour là, une de plus, hein, c'est ce que disait Hitler. Voilà, c'est oh, ça. Oh, pas de point Godwin. C'est ma dernière exigence. Non, vas-y, bouffe le Maldives. Promis, après, je prends plus rien. Promis, avec ce qu'il a fait à Chouan, tiens, pour la peine, Ghost. Putain, c'est rentable de piller les villes encore. Hein. Bon, concrètement, je me fais souiller au Bengale, quoi. Par qui? Eh ben, par le Siam. Le mec, il a toute sa flotte, vu qu'il a compris que le Siam était perdu, et il s'est rattrapé au Bengale, tu vois. C'est pas plus con, tu vois. Mais quand je dis qu'il se rattrape, c'est... J'ai 20% du nœud, quoi. Au Siam, j'ai 45%, et Mulu d'Island, 8%. Mais qui c'est qui a détruit les forteresses? C'est moi. Voilà. Il y en a un qui a pas pillé, qui a juste détruit les forteresses, j'ai l'impression. Il y a tellement rien, Pépé, qu'il a pris les pierres, tu sais. C'est ça. C'est ça pour ramener chez lui, tu vois. À moi. Comme s'il avait pas assez de pierres en Himalaya, tu vois. Bon, mais c'est foutu, je vassaliserai personne en Inde parce que je peux pas. Oh, rush coloniste. Oh, j'aime ça. Oh mon dieu, ce roi 553. Mais je sais pas d'où tu sors, mais je t'aime déjà. Que je te dise d'où il sort. Tu veux savoir d'où il sort? J'ai bien une petite idée, hein. Honnêtement, vu la légitimité, je crois que je devine. Il vient d'un petit bordel du Bengale. C'est là. Ça. Ah, bon, on va pas se mentir, je vais tous vous proposer un mariage, quoi. Soyons pas égoïstes. Et si je réponds en envoyant une lettre de merde? Non mais toi, je te veux pas, tu vois. J'adore les événements de conversion de culture automatique, là. Ah, ça coûte de la thune, mais tu sais que l'on perd, c'est faux, quoi. C'est génial, quoi. Hein. Garde. Fait la paix avec le Congo. On t'en est où de ton côté? Bah, je vais capturer Raboul. Raboul. Raboul, espèce d'abruti. Putain, mais le mec, quoi. Raboul, putain. Raboul. Bon, je vais aller prendre la capitale. Non, mais en fait, j'avais pas vu le A. Donc, ouais, Raboul.
Raboul, moi je mets à Raboul. Mais je vais la renommer, hein, je m'en fous. Scorpion, est-ce que tu me sens remonter dans le Bengal ou pas? 35%. Ouais, tu devrais déjà regarder un peu le Ceylan où ça commence à partir un peu, enfin le Golfe d'Aden avant de regarder Bengal. Le Bengal c'est peut-être mon nœud le plus riche dans le coin. Et puis t'en as deux de nœuds riches, hein, enfin deux nœuds ta gueule. Alors j'en veux trois. Le Mogol supplie pour la paix, t'en es où toi? Moi bah je suis à 40%, mais le Congo là il a pas loué Posseux, il veut pas faire la paix putain. Le Congo il va les prendre. Bon alors là. Surprise, ça fait que. Je vais taper du noir alors. Oh, oh non. Tu vas taper du noir ou tu vas te taper du noir? Mais non, mais en fait. Oui, il va se faire taper par un noir. L'armée de l'Hindouistan qui ravage. Je ravage pas, je les libère, tu le sais bien. Mais t'as pas tant d'hommes que ça en fait. Ah, j'en ai que 66 000, hein, oui, c'est ça. J'ai autant d'hommes que toi, c'est tout. Oh, je suis à 80 000, alors tu vas te calmer. Oh, t'es monté, toi? Ah, quand tu regardes de loin, ça de la gueule. Quand tu te rapproches, que tu vois la taille des provinces, un peu moins. C'est ça, t'sais, une province, ça fait la taille du Japon, c'est. Bon, bah. Une de tes provinces, ça fait la taille de 4 des miennes. Ah, bah là, de toute façon, Pépé, on peut dire ce qu'on veut, mais il a autant de côtes que l'Hindoustan, hein. Ah ouais, bah ça dépend, tu comptes les côtes gelées ou pas? Parce que chez moi, c'est gelé 9 mois par an, hein. Oui, il faudrait que tu fasses la paix. Non, j'ai pas envie. Win, je suis le chef de l'alliance, si je fais une paix, ça te nique toi. C'est pour ça que je te dis. Oh, je suis qui? Non, mais je te préviens presque un an à l'avance, là, tu vois. Et Scorpion, encore une technologie, je peux occidentaliser. Comment ça, encore une technologie? De retard? Ouais. Oh putain, j'ai d'améliorer ma marine, j'espère que ça va faire le boulot au Bengale. Ça m'a coûté une blinde. Oh, le Siam qui s'allie à Wu. Tiens, c'est bizarre, ça. Ouais, j'aime pas trop ça, moi. Je me sens menacé. Du temps menacé, avec les Chinois. Mec, tu t'allies avec les Chinois. Moi, je rentre là, lui. Écoute, Wu est ennemi du Dali, je veux dire, hein, je m'en fous. Il est allié au qui, espèce d'abruti? Ah bon? Bah, ils étaient pas alliés tout à l'heure, moi. Bah, ouais, mais bon. Oh, Wind, ta flotte me fait tréport 51 navires lourds. Et là, tu sais, tu rivalises avec l'anglais, normalement. Largement. Et là, je vois que Wind est le chef de l'alliance. Ouh, et l'Australie qui va... Elle va être toute violette. Qui va passer sous contrôle de Malacca. Si je fais la paix, selon tout ce que tu désires, on monte à 85. 85, et ça coûte 250 de diplôme. Je te passerai de l'argent. Ah bah écoute, commence à envoyer le cargo d'or, hein. Quel merdier dans la nouvelle Perse avec l'Afghanistan qui est là. Et l'anglais qui capture, au calme. Ouais, l'anglais va se poser, regarde. Oh, excellent l'anglais. Eh, pas folle la guêpe, il prend les provinces avec de la soie, hein. Bah l'anglais... Oh, regardez l'Autrichien, il a pris l'Albanie, il a libéré... Oh, les états papaux. Le papal state. Soit il va faire l'Italie, soit il va nous faire le... Oh, regarde la Hongrie, putain, il a libéré la Serbie. Même le polonais, hein, qui est sur, sur la mer d'Azov, hein. Ah, du bois tropical à Raboul. Bon, on peut toujours pas faire la paix, c'est en train de m'énerver, ça. Putain, mais vu que je suis passé occidental, je peux stacker que 989 de points. Toi, tu veux des claques dans la tête, hein. Oula, dis pas trop ça, toi. Non, mais là, oh, il a peur, lui. Owen, il se sent plus pissé, c'est la première fois qu'il réussit quelque chose dans une... Ah non, c'est pas Owen qui a avoir... Parce que si Owen me déclare la guerre, le Siam, je vais pouvoir rouler dessus. Scorpion, on va falloir faire des concessions, hein. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, je sais très bien pourquoi t'arrives à garder le Bengal et je revendique toute la côte, hein. Ouais, d'accord, mais bon, toi t'as le Ceylan qui est à 20 là, tu vois. Donc c'est bien sympa. Tu devrais le savoir, hein. J'en veux toujours plus. Ah ouais, bah tu veux plus, tu vas à l'Indus, tu vas à Doab. Si tu veux, on peut te le mettre dans ton cul si t'en veux plus. Hein. Non, Owen te provoque pas trop. Owen, là je crois que tu devrais te taire. Ça, mec, en fait, Scorpion, c'est une stratégie d'Owen pour faire en sorte que Scorpion se casse la gueule. Je suis pas assez fourbe pour faire ça, mec. Non. C'est cela, oui. Ah, voilà, je reprends mon Bengal. J'ai 56%, ça remonte tout doucement. 100 000, regardez les enfants, des pauvres. Tu parles de Scorpion? C'est pas gentil de te moquer.